et les flocons de neige s'écrasaient sur le sol au milieu de la ville de Norberg dévastée par l'Overlord. C'est le 6e épisode de notre périple d'Overlord 2 qui débute sur une scène qui doit vous laisser un petit peu circonspect. Que s'est-il passé entre le 5e et le 6e épisode? Je vais vous le dire en quelques phrases. Elfenlide est passé sur le blog enigmatique.com pour m'exposer qu'il était possible, après avoir conquéré une ville, de contrôler la population à un stade supérieur. Se posaient deux choix. Choix numéro 1, asservir toute la population, soit 100 habitants. Choix numéro 2, tuer, exterminer tous les habitants. L'avantage d'asservir les habitants, c'est qu'en arrivant, en passant régulièrement au niveau de la ville en question, vous avez des coffres d'argent qui sont de plus en plus remplis. Et l'avantage de tout détruire, ça je ne peux pas vous le dire, mais en tuant tous les habitants, en pillant les maisons, j'ai pu accumuler un nombre d'âmes, de boules de vitalité très impressionnant. J'ai pu accumuler également beaucoup d'argent. Et en plus, j'ai fait virer mon alignement au niveau du rouge. Ce serait donc le mâle version très mâle. Parce qu'en fait, en bleu, c'est le mâle un petit peu vers le bien. Et vous avez le mâle vraiment mâle en rouge. Voilà ce que je peux dire. Regardez, j'ai 22 132 or. Hein, parce qu'il y avait Claire Éternelle et Norbert, je les ai tous les deux dévastés, j'ai tué tous les habitants. 28 diamants, enfin joyaux, je sais pas quoi. Et deux machins spéciaux. Et regardez le nombre de larbins. C'est énorme, c'est gigantesque. Par contre, je n'ai pas pu achever cette tâche d'anéantissement. Un passage n'étant pas ouvert pour le moment. Il me faut des larbins bleus, ce que nous devons aller chercher maintenant au niveau de l'Empire. Il y a toujours cette satanée porte, ce portail qui m'empêche d'aller tuer les derniers habitants derrière. Bon, j'ai choisi en tout cas de tout anéantir face aux éléments historiques déjà concernant Norberg. Deux trahisons, je pense que ça suffit, hein. On est censé représenter le mal. Alors déjà, ils nous ont défié une fois, ils s'excusaient. Ils ont recommencé en allant à une communauté elfe. Alors voilà, il y a un moment, il faut arrêter de jouer avec le feu. J'ai tout détruit, vous voyez, toutes les maisons, tous les habitants, il n'y en a plus. Tout est vide. Regardez, je vais me balader un petit peu juste pour vous illustrer rapidement. Que c'est le cas, hein. Tout a été détruit. Je crois qu'il reste à peu près 15-17 habitants. Et concernant Claire Éternelle, où on va aller faire un petit saut juste après. J'ai totalement dévasté cet endroit. Parce que bon, là faut être clair, ils étaient tous en train de se pavaner, en train de se reposer. Sur une île, on va dire, à tendance paradisiaque. Le soleil, le sable fin, les nanas, les elfes qui sont asservis. Ouais, non, moi je dis non, ça m'intéresse pas d'avoir des... une domination sur une ville de cet acabit qui ne sert strictement à rien, à part satisfaire les quelques gens de l'Empire. Voilà, ça satisfaire leur... comment dire... Bah, disons qu'ils sont un petit peu dans le mal, c'est un peu la luxure. C'est pas la luxure que je raconte, moi. C'est la... comment on dit, bah le luxe, voilà, pas la luxure. La luxure, c'est un rapport avec le sexe, hein. Ce n'est pas l'argent, hein. C'est le luxe, voilà, c'est... Bref, je pars en vrac, là, avec mes idées. Je voulais vous montrer Claire Éternelle. Attendez, Ragnor, ville de Norberg. On peut pas aller à Claire Éternelle. Porte de la... Mais non, je veux pas aller à Porte de la... Bâtiment de Claire Éternelle, peut-être. Vous allez voir. Ah non, il y avait ville de Claire Éternelle. Merde. Merdasse ! Comment j'ai pu rater ? C'est par ici. Ville de Claire Éternelle.
ici. Et rendez-vous à l'Empire dans un instant. Cherchez les bleus. Voici Éclair-ternel. Éclair-ternel. Bon, c'est pas forcément la bonne porte. Mais la ville est totalement vide. Il n'y a plus l'ombre d'un seul habitant, d'un seul gros balourd en slip. Le bâtiment a disparu, il y a des flammes. Il n'y a plus que les larbins qui gardent les quelques murs qui restent, qui sont intacts, qui sont debout. Montons cet escalier. On a la bonne musique, hein, toujours. Mais il n'y a plus de gros qui se trémoussent. Regardez, en feu là-bas, il n'y a plus rien. C'est vide. Alors si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble une destruction, on détruira si on a une troisième ville en direct. Mais je vous avoue que c'est franchement c'est peu palpitant. Il y a 100 villageois où il faut faire le lien mental là, qui le réduit en cendres par la suite. Le problème c'est que le mana est très limité, alors il faut faire des allers-retours sans arrêt au niveau de la porte. Et les habitants qui restent ici, ils sont tout en bas, vous voyez, il y a un lieu secret avec les habitants qui sont en contrebas. Il faut passer, je crois, par cette porte-ci, mais il faut les larbins bleus, d'après ce que j'ai compris. Et on ne les a pas, enfin d'après ce que j'ai compris. Je vous l'avoue, honnêtement, je suis allé voir une soluce. Enfin une soluce, j'ai tapé sur Google, je me suis dit, allez... Comment ouvrir cette porte, notamment au niveau de Norberg, et puis c'était... Bah, il faut les larbins bleus pour l'ouvrir. Donc voilà, on va chercher les larbins bleus. Parce que j'ai tourné hein, pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, et j'ai pas trouvé. Donc il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Je vais pas tourner en bourrique. Pendant... je sais combien de temps... Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, on y va. Vers les points d'exclamation ou vers... je vais aller vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Tiens, quelqu'une... c'est quoi, une porte de possession? Là, je fais pas la même erreur que dans l'épisode précédent. Je mets tout le monde. Et je mets mon pouvoir. Youhou! Il y a une sentinelle là. Est-ce qu'on peut la voir d'ici? C'est peu probable. Il y a un portail devant. D'accord, d'accord. On va voir par là. Je peux passer en face, ça. Oui, c'était une bonne intuition. Oula, on nous shoot. Les connards. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? Je reconnais cet endroit. Il appartient au sénateur Tristus. Oh, le ciel est beau. Sa femme l'a accusé de coucher avec moi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, moi je ne couche avec personne. J'ai suggéré que ce serait possible s'il m'offrait une douzaine de nouveaux esclaves avec des colliers incrustés de rubis, c'est tout. Et il ne l'a pas fait, ce sale radin. Mais c'est vrai qu'il a une belle... Et maintenant je vous présente notre nouvelle recrue. D'accord, il est chez la porteur. Ça s'appelle un gargantuesque. Dérivé de nos nouvelles expériences. Là, il y a un gargantuesque. Je veux parler de notre programme de développement 100% naturel, bien sûr. Vous pouvez le voir, c'est une vraie brute. Pas du tout comme vous autres. Je marche dans la tente. Ça y est. Faut que j'aille voir le sénateur. Bonjour. Ah, t'es impressionné, hein. T'as vu tout le nombre que nous sommes. Oula. Oh. Ah, des gardes impériaux. Venez par ici. Voyons comment des mauviettes comme vous se mesurent à un gargantuesque. Non, mais j'ai pas... Oh là. Oh. Attendez. Il a vraiment la tête dure. Je crois qu'il pourrait défoncer n'importe quoi. Merde. Je suppose peut-être qu'il peut tuer les soldats. D'accord, on défonce la porte. Et si et les soldats, on va voir, est-ce qu'ils peuvent mourir, entre guillemets. Viens par là, mon gros, là.
Voilà, tu viens là. Je me décale. Oh là 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 là, il est parti bien sûr dans le coin. Oh, secours! Allez, viens défoncer la porte, mon gros. Je me bouge. Oh là là, le boucan qu'il y a eu. Et si je mets là? Bon, tant pis, c'est une... je perds mon temps là. Il fonce au troisième coup. Allez, tu viens quoi? 1, 2, 3. Merde! Eh, mais on est obligé de se sacrifier! Un, deux, trois, quatre. Je me mets ici, je me décale. Jusqu'à ce qu'il aille devant la porte. Merde! Oh! Viens vers les soldats. Aïe, merde! Allez, viens par là. Bah oui, bien sûr, mais n'importe quoi! Ah bah, j'ai pas perdu de vie, si. Allez, viens par là, là. Oh, c'est... Et là, c'est un peu pourri. C'est bien pourri! C'est pourri! Allez, vas-y! Ah, enfin! Il va falloir que nous travaillions sa vision. Mais ne doutez pas un instant qu'il s'agit d'une merveille de la guerre moderne. Ouais, quelle merveille. Nous sommes de garde aux portes de la cité maintenant. Ne traînez... Merde, y a la sentinelle. Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. J'étais parti de son faisceau. J'ai perdu 30 l'Arbinus. Pourquoi ça apparaît en rouge? C'est des ennemis, ça. Et j'aurais dû acheter une arme en plus, au lieu de avant de commencer. J'en achète une au prochain. Bah celui-là, attendez, on peut l'avoir. Oh, il y en a un qui brûle. Bon, allez, où la porte de le machin de possession? Allez, tous dessus. J'électrocute. Je suis répalté. Attendez, s'il nous dit de... Attendez, qu'est-ce qu'il a cassé exactement? D'accord, d'accord. Je vois, j'ai vu. On se déguise. Oh, c'est bien, c'est revenu à 49. Donc vous êtes tous déguisés là? Ok les mecs. Les petits larbins. En fait l'idée c'est d'aller sur la gauche. Ah non, je peux casser. Oh la vache. Est-ce qu'ils vont venir là? Non, ils ne viennent pas. Ce qui est bizarre, c'est que ça clignote encore. Bon, allez, on va le tuer, lui. Voilà. Il va
faudrait qu'on arrive à attaquer ce pilier parce que c'est bien décalé quoi. Bien que là je peux pas le viser. Non, je peux pas le viser. Ah là là, c'est un casse-tête. Là je crois qu'il faut que je passe quand c'est à droite. Voilà, j'y vais. Il paraît que la cité est pavée d'or. Mais poussez-vous. Vite, réflexion. Bah, pourquoi il m'attaque? C'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est hallucinant! Le meilleur gladiateur de l'arène de tous les temps! Là, on peut pas passer. C'est l'illogique totale. Pourquoi m'attaque-t-il? Pourquoi il y a une catapulte qui me tire dessus? Merde, le faisceau. Le faisceau. Vous avez mis la sentinelle dure la route. Vous avez mis la sentinelle dure la route. Ils savent même pas traduire. Dure. Les ennemis durs. Les édurs, hein. Mais n'importe quoi. Mais c'est quoi ce rouge encore? Il n'y avait pas de sentinelle. C'est absurde. Ouais, vive l'absurdité. Et bien heureusement que j'ai fait le plein de larbin, dis donc. J'en perds en quantité énorme. Alors, est-ce que je dois reprendre la route principale? Mais bougez-vous là, Alors, j'ai remarqué d'ailleurs, pour tuer les innocents, en fait, faut juste utiliser ça. Voilà, on tue les innocents. Alors, je sais pas si c'est vraiment quelque chose. Voilà, je les tue tous. Donc, maintenant, je peux... c'est quoi par ici, tiens? À l'attaque. Oui, la catapulte, bien sûr. La porte fermée. Oh, et un gros ralentissement. Arrête de ralentir, le PC. Ah, c'est pas possible, c'est la poisse. Ah, ça y est, c'est fini. Non, ça recommence. Mais arrête tout de ralentir le PC. Oh, vive les ralentissements, c'est pas possible. Ça n'a aucune raison de ralentir. Ok, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Laissez passer. Laissez passer. Enfoiré d'archer là. Un jour, je serai une vraie dame, comme cette Juno qu'on tenait.
dans un taudis. Allez, tuez-les tous. Enfoiré d'archer. Il a encore un Laban. Bon, qu'est-ce qu'on... Merde! Est-ce qu'on peut envoyer des verts là? Merde, j'ai pas de verts. Des rouges. Merde, non! Voilà, ils sont dans le faisceau, bravo! Bah, je vais laisser mourir, hein. Je peux rien faire. Oh, il y a la catapulte, toujours. J'attends que l'alerte passe. C'est bon. Je vais envoyer... Oh, il y a des soldats. Ah, d'accord, les soldats. Ah, bon, je vais par là, allez. Qu'est-ce que c'est ici? D'accord. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces malotrus? Ils vont finir par saccager tout mon jardin! Garde, occupez-vous d'eux! Oh, c'est Tristus. Le revoir me donne envie de vomir. Tu sais qu'il a essayé de me donner les bijoux de sa femme. Je ne suis pas sur le marché de l'occasion. Ces gardes de pacotille, oui. Allez, on casse tout. Ton palais de merde. Mais il est là, là. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Il y a un escalier sur la gauche. Il va me servir à tuer un archer. Est-ce qu'ils peuvent y aller là? Il y a un petit passage, voilà. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Ah, c'est pour détruire là-bas. Oh, c'est beau! C'est une destruction magnifique. Un nuage de poussière. J'ai détruit sa villa, ils appellent ça une villa. Ne nous tuez pas! Ne nous tuez pas! Quand je parlais de malotru, c'était un compliment! Tu parles, tu vas crever. Il est où lui? Ah, c'est dommage, j'ai plus de mana. Je l'aurais bien. Connaîtront vos maléfiques prouesses. Ah, je peux le taper? Je peux donner des petits coups? Je mentirais et tricherais pour vous, ça y est. Ah, c'est dommage. Ah, y a pas, je peux pas recharger mon mana. Y a-t-il une petite potion? Ah oui, j'ai une potion de mana, ça tombe bien. Il va payer. Il est où notre chère... Non, c'est pas elle. Ah bah, il a fui. Il est peut-être par là-bas. Y'a quoi par ici? Qu'y a-t-il? Il est là! Il aurait dû m'acheter mes propres bijoux. Voilà, il est mort. Tu n'as rien oublié pour moi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, je sais pas. Je vois pas ce que j'ai oublié. Vous avez volé, vous êtes infiltré dans la cité impériale. J'entre dans la cité impériale. Ah, d'accord. Et qui avait comme sécurité deux grandes portes en acier. Votre seigneurie devrait faire profil bas pour l'instant. Ah, bravo les mecs. Vous devez vous diriger vers les prisons de la reine et retrouver vos bleus.
Les bas-fonds souterrains constituent le passage le plus rapide et sûr, Seigneur. Ok, Tu voudras, ferme les yeux, retiens ta respiration et traverse les bas-fonds. Une grande partie de la ville est protégée par un écran anti-magie, Seigneur. La magie est donc impossible, même la vôtre. Mais il semble que l'écran couvrant l'arène et les bas-fonds à proximité ait été désactivé. Crasseux cherche actuellement un endroit pour creuser une porte. D'accord. On va creuser une porte. Alors attends, moi j'essaye de voir où est-ce que je peux aller. C'est moi ou l'autre? Ah, l'autre il veut nous attaquer. J'espère que vous êtes là pour vous occuper des grenouilles. Cherchons un passage. Sinon on casse tout. Ah, ça a peut-être servi à quelque chose et il y a tout le... Non. Qu'il y a l'aide. Je déteste cet endroit. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque lui? Il nous attaque à coups de pied. Waouh. Ah bah attendez, il y avait une roue qui était planquée dans le bâtiment. Et comment on va de l'autre côté? Apparemment il passe par ici pour l'autre côté. Ah bah voilà, bah fallait tout péter quoi. Il y avait même une roue. Non, c'est quoi ça? C'est un gars. Et là, c'est mes larbins qui sont complètement bourrés quoi. Nous le donnerons de boire. Il y a des rats. Il y a quoi là-dedans? Ouais, c'est l'attaque des rats. Allez, butez-moi tous ces rats. Oh, quelle pauvreté, quelle saleté. Fais comme tout le monde. Ah, c'est quoi ça? Il y a des tortues. Il y a des tortues, qu'est-ce que je raconte? Il y a des grenouilles. Allez, des cuisses de grenouilles. Et j'ai perdu un larbin qui a été bouffé par la grenouille. Ah, ils sont là. Ah ouais, ils sont là. Et campe ces grenouilles. Voilà. Allez ouvrir une poutre. Encore des grenouilles. Allez encore manger un de mes larbins. Tiens, sa tête de grenouille. Mais elles sont infinies, moi je me barre. Oh. Ah, il y en a encore une. C'est pas possible. Au secours. Il y a des rats. Il y a des rats, il y a des grenouilles. Et encore une. Allez, je récupère un peu des larbins. Il y a de plus en plus d'eau. Détruisez-moi ce truc là. Faut tout détruire ici. Bonjour mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous cachez dans votre baraque là? Une manivelle? Non, il y a des grenouilles. Attendez, c'est infini là! Oh là, faut mieux se barrer. Oh, faut se barrer! Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a rien. Mais qu'est-ce que s'en fout que ce soit hygiénique? Il y a plein de des tortues. Des grenouilles! Il y a des fucking frogs! Allez vite, détruis ça! Venez tous, on se barre. Vite. Allez, y'a quoi là-dedans? Ok. Sûrement en face alors. Voilà, ici, y'a une grille là. Ah, d'accord, on peut la fermer.
je pouvais la fermer. Allez, ouvre ça là. Kasusa. Voilà. C'est bien. Voilà l'entrée des prisons de la reine. Qui veut une entrée gratuite pour les jeux de la Admirez reine? Admirez la splendeur des jeux. De très très près. Entrez et nous vous escorterons jusqu'à votre propre loge spéciale. Oh, oh là. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci, Crasseux. Mais vous feriez bien de trouver un moyen de l'atteindre, Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, mais qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Faut trouver un moyen de l'atteindre. Vite, regardons, regardons les alentours. C'est quoi en face? Il y a un machin, là. Il y a un... Il y a une grenouille qui bouge à côté d'un machin qu'on peut... Bon, déjà, on va ramener tous les larbinus. Là, faudrait qu'on descende, mais elle m'emmerde, là, celle-là. Tiens. Connasse. Elle bloque l'escalier. Fait chier, hein. Voilà, je parle très bien. Voilà, je ferme, il n'y a plus de grenouilles. On appuie là-dessus. Mais super, ça sert à quoi ça? Quel est l'intérêt? Je ne le vois pas. Attendez, c'est quoi ça? Il y a un petit passage. Vers un coffre. Vers de l'amour. Attendez, il y a des bateaux. Qui scintille? Pourquoi scintille-t-il? On doit pouvoir l'utiliser. Alors quand ils arrivent, voilà, je vais fermer. Voilà, je ferme. Et je les j'y vais. C'est pas faire ça. Allez, tous dessus! Non, mais qu'est-ce qu'il branle? Voilà, je les mets dessus. Non, mais c'est pas possible, hein, s'ils bougent pas, là. Je suis obligé de les contrôler moi-même, je vois pas le... Ça, c'est un peu con, là. Ça déconne ou quoi? Alors, maintenant... Ah d'accord, ils se sont connus dedans, ce qui a bloqué le mécanisme. Et c'est pour ça qu'il fallait récupérer peut-être le... artefact avant. Tant pis. Sauvegarde automatique. D'accord, et avant d'y retourner... Petit tour à la forge. Pour une arme. Plus puissante, plus impressionnante. L'Overlord est ici. Et il se rend à la forge. Et vu ce que j'ai accumulé en détruisant les deux villes, Norberg et Clairternel, ça va être du lourd de chez lourd. Attention aux yeux. Quelle est la meilleure arme que je puisse acheter? Le commandeur des enfers. Merde, j'ai pas assez de bleu. J'ai pas assez de ça. Oh, l'armure infernale. J'ai pas assez... Oh, j'ai pas assez de trucs. Bon, le défonceur, alors. Ah, le défonceur, je peux. Le sanguinaire. Le bestial. Bah, je prends le défonceur. 7015. Allez, je le prends. C'est parti, le défonceur!
Et voilà. C'est lent. Ça a l'air lourd et puissant. Je crois que ça porte bien son nom. Ça va défoncer sec. Est-ce que je peux améliorer? Non, j'ai plus rien. D'accord. Nous pouvons retourner à l'assaut de l'Empire. Et c'est la sauvegarde automatique. On y retourne. Quelle larme! Waouh! Salut au grand maître! Salut grand maître! Direction. Région. Les égouts de l'Empire. Voilà. Des bruns. Des rouges. Attends, je vais prendre la max de rouge. Je prends brun rouge. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Je viens de quelque part. Vous êtes un gladiateur? Non, je suis un assassin. Je les tue tous. Donc j'ai découvert comment les tuer. Je ne me prive plus. Là, il y en a encore un là. Tous morts. C'est un gros... Oh, ça fait mal. On a suffisamment de problèmes, d'accord? Oh, j'ai perdu plein de vie. Avec leurs flèches... Trop choisi. J'avais perdu la moitié de ma santé. D'accord, à côté c'est bloqué. Incubateur bleu, maître. Ah ouais? Vous pouvez utiliser ce radeau pour l'atteindre, mais il vous faudra des larbins bleus pour le pousser. Il n'y a qu'eux qui sachent nager. Bien que les autres larbins soient très bons pour couler. Trouvez un autre passage vers les prisons et localisez nos petits amis. D'accord, mon ami cornu. Paf. Le mouillé de l'Empire. J'aime une bonne chose. C'est clair s'il supprime les. Mais ça devrait être équilibré comme dans la nature. Comment s'amuser sinon? S'ils s'amusent à les combattre, mais en fait, ils enlèvent les pouvoirs magiques, ce n'est pas équilibré. C'est pour gagner. Waouh, c'est hyper puissant! Allez, ouvrez-moi ça! Oh, je vais tout seul. Je vais récupérer de la vie. Avant de m'y aventurer. Ok. Bon, bah, plus les larbins. Normalement, ils peuvent pas venir. Vous allez devoir continuer seul. Ne vous inquiétez pas. Vos larbins retourneront au puits de création pour faire une partie de pouilleux massacreur. Le parti de pouilleux massacreur. Vous trouverez nos bleus à l'intérieur. Pas mal. Comme titre de jeu. De carte. Le pouilleux massacreur. Tiens, tiens. Ça, c'est une caisse qu'on a vue lors de... Oh, encore lui. C'est dur. C'est hard là.
J'ai perdu beaucoup de vie. C'est peut-être parce que je dois pas passer par là, peut-être. Ouais, à mon avis, je suis pas censé passer par là. Si j'avais pas eu cette arme, je serais mort. Qu'est-ce que je peux faire en me mettant par ici? Je ne vois rien de... Non, mais non, je suis obligé vraiment de... De passer par le... l'endroit où il y a les gardes. Je vais récupérer de la vie. Si je meurs, faudra tout refaire. Hein. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Voilà. Et nous y retournons. Ici. Ici. Et ici. On va sur la gauche. Deux gardes encore ou il y en a un? J'en vois combien? Il y en a deux. Au secours! Mais ils font demi-tour. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Oulala, je vais mourir. Oh mon dieu. Oh my god. Il n'y en a plus qu'un. Si, si, d'ailleurs, je suis en train de me dire que s'ils sont aussi coriaces, c'est que je suis pas censé aller par là, quoi. Mais je vais quand même y aller. Ça m'étonnerait qu'ils obligent le joueur à faire des allers-retours à la con. N'est-ce pas? Ou alors c'est délibéré. Ou bien, le jeu s'adapte à l'arme que je possède. J'ai une des meilleures armes. Et leur attaque a peut-être augmenté en conséquence. Ah bah lui, il n'y a plus rien. Non, j'étais obligé. J'étais bien obligé. Ils ont enfermé les bleus dans ces urnes. Trouvez-en d'autres et libérez-les. On a trouvé les bleus. Et les gnomes. Ouais, les gnomes. Hein, c'est nos potes de toujours, les gnomes. Et par contre, ils sont tout petits, les bleus. Ils ont... je crois qu'ils ont... Ils ont revu à la baisse leur taille. Il est où, mon... Je le rappelle. Non! C'est fermé derrière nous. Il y avait du gnome. Le temps qu'il se rentre. Ah ouais. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. C'était une fée. Avec grosses fesses. Encore une fée. Ici. C'est ce qu'il fallait. Et en face, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est pour ça que je l'écrabouille en deux secondes. Bon. D'accord, je vois. Vous passez là, vous allez à gauche. Voilà. Ensuite, vous allez à droite. Regroupement. Attendez, regroupement. Tout droit. À droite. Prenez la plateforme. Vous allez tourner la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Fallait que je la fasse, la blague. Pourquoi donc... y a-t-il ceci? Oh! Ah tiens, je constate que ça me fait rien. Qu'est-ce que va faire ce truc? Ah mais ça c'est pas très intelligent. Ah d'accord, ça... Attendez. C'est moi ou ça lui refait rien la magie? Pourquoi?
Pourquoi y a-t-il un 8? J'en ai que 4. Je dois sans doute en récupérer par ici. En face. Il y a ce qu'il faut pour qu'il grimpe. Sur la gauche, qu'est-ce que nous avons? C'est fermé. Donc c'est à droite. Je ne vois pas grand-chose. Ah, à droite, il y a un 1. Il y a un 1 là. Bah allez sur le 1. Ah, ils sont cons. Le 1 là. Je peux peut-être... Je peux peut-être pas le faire. Non, à mon avis, ça ne fonctionne pas. De toute façon, je vois que ça de... Quand j'appuie ici. Regardons bien ce qui se passe. Il se balade. Ouais. Ah, il passe là, d'accord. Ah, peut-être qu'il faut que j'attende un bleu. Essayons de comprendre. Non, attendez, ceux qui passent là, ils viennent de tout en haut. Si j'arrête d'appuyer, ça nous donne quoi? Ça nous donne rien, ça passe constamment. Attendez, j'ai perdu un bleu là, à cause de la fée. Ah ouais, j'ai compris. J'ai pigé. J'ai compris le topo. Faut appuyer quand un bleu. Voilà, merde. Quand le bleu est au-dessus du trou là. Faut le faire ça 4 fois de suite. Maintenant. Allez, j'ai mis du temps à comprendre. Mais c'est facile quand on regarde une vidéo. 6. Sept. Huit. Ah oui, ils vont pas nous en donner de plus, c'est ça. Ouais. Bande d'enfoirés. Regardez, ils ne laissent pas atteindre le 12. Le système a stoppé net. Pour qu'on ait juste le nombre, si vous voulez, alloué ici. Ils sont malins, ces développeurs. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement, ça? J'ai entendu un bruit. D'accord, c'est ici. À gauche, nous avons un 1. J'appuie sur le 1. Il ne se passe rien. Je vais faire tourner le 6. Enfin, le 8. Je vous mets 8 dessus. Le 8. C'est bloqué. Si j'appuie sur le 1... Ah oui, d'accord. Attendez, il y a une pince en haut. La pince prend le truc. Et après? Attendez, c'est quoi ce Beans? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, là, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des pots. Là, il faut qu'on soit 12. En face, il y a un 1. Avec une grille. Ah, cette grille, peut-être... Ouvre derrière. Mais à quoi ça... Ah non, non, c'est vrai, là, hein, c'est la pince de fête foraine. Mais à quoi sert cette pince de fête foraine? Si je mets quelqu'un là-dessus. Voyons voir. Il tourne. Ça passe de l'autre côté. Mais quel est... Ah non, oui, vous, je les arrête là. Ah oui! Ah merde, vite. Il est mort, donc je le ressuscite. Oh, quelles énigmes, moi je dis, c'est du beau.
Ah, le mieux, c'est que ça se décale à... merde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a personne à côté de la... Oh, ça, c'est nul, ça. Faut que je sois donc totalement dans le timing. Dès que c'est au-dessus du bleu... Go, c'est go. Voilà, je l'ai eu. Je relâche. Il est mort. J'envoie des larmes à le ressusciter. Ensuite, celui-là. Je le prends. Merde, je l'ai relâché trop tard. Et il est renvoyé de l'autre côté par un tapis roulant. Si c'est pas un truc pour faire chier, ça... Non mais honnêtement, là. Attendez. Là, c'est vraiment pour faire chier. Ils doivent jubiler, là. Ils se disent... Ah, tu vas voir, là, le mec. Il va se dire... Oh, merde. Hein, quand il verra le tapis roulant. Ça, c'est sûr. Bon. C'est parti. Je relâche. Ouais. Et là, il est mort. Il s'est cassé les jambes. Merde, attendez. Je me suis gouré. Voilà. Là, tu descends. Ah, mais non, bien sûr. Tu l'as pas eu. Bon. Pourquoi elle se décale pas, maintenant? Voilà, quête. Clac. Clac. C'est bon. C'est magique. C'est énigmatique. Il y en a qui disent I am the king of the world. Vous avez vu mon skill. Moi je dis c'est magique, c'est énigmatique. Ah non, pas eux. Ah non, ah non. Savoir, ô seigneur, que les bleus disposent d'une capacité dite de fugacité qui leur permet d'être brièvement invisibles lorsqu'ils sont déchaînés par vous. Ils sont d'avis. Vous pouvez les utiliser pour passer furtivement des gardes et accéder à des roues ou des commutateurs. Oula, va falloir piger le truc là. Et que veut dire fugacité? Fugacité. Est-ce que je vais le trouver dans mon dictionnaire? Fugace. Qui s'estompe rapidement. Mais fugacité n'est pas dans mon dictionnaire. Ça veut rien dire alors. Une fugacité. Qui s'estompe rapidement. Ça n'a rien à voir avec une invisibilité. Une technique de fugacité. Enfin bref. Pourquoi ne veulent-ils... Allez, allez tous dessus! Il en faut 12! Bande d'ingrats! 12! Ouais, vous savez pas vous mettre sur un bouton, ils sont complètement idiots. Allez, 11! Allez, 12! Ah, j'ai réussi! Une des prisons de l'Arbin, seigneur. Vous pouvez aussi revenir ici si vous veniez avant le bleu. On peut revenir ici si on manque de bleu. Oula, arrêtez de tout casser. On est que 15 maximum en bleu. Faut pas jouer comme des bleus, quoi. Oh. C'est quoi leur technique d'invisibilité, je sais pas quoi. Là. Si vous déchaînez ou envoyez des larbins bleus sur une cible... Il devient invisible aux ennemis. Si j'envoie sur une cible, il fait quoi? Tu parles, il est pas invisible du tout, ils se mettent en... Comme s'ils allaient taper. Ce bouton fait quoi? Ce bouton baisse cela. Quel est l'intérêt? Non, attendez, c'est quoi ça? Je comprends pas là. J'appuie. Si j'appuie, ça se referme. Ça signifie qu'il va y avoir un radeau. Il va certainement passer par là. Et je suppose que l'idée, c'est d'aller sur le 8. En face.
avec des bleus. Donc, faut les faire descendre, les faire passer derrière tandis qu'ils sont invisibles. Si vous déchaînez ou envoyez des larbins bleus sur une cible, ils deviennent invisibles aux yeux de l'ennemi. Si je les déchaîne, ça veut dire quoi? Ouais, bon, je me suis gouré, génial. Là, ils sont déchaînés. Je les envoie. Je les envoie. Ils passent. Ça a marché. Ils reviennent. D'accord. Ça a marché avec brio. Mais à quoi ça nous a servi globalement d'ouvrir ceci? Cela nous sert à revenir par là, et donc normalement c'est pas pour les attaquer. Si je fais ça, c'est le retour des pots. Réflexion. Il y a un truc là. Il y a un truc. On dirait que c'est Las Palès. Mais je crois qu'il y a un truc. Il y a l'avion qui arrive, il redécolle tout de suite. Réflexion. Il faut réfléchir.